À la fin du discours, les élus nationalistes n'applaudissent pas. Les visages sont fermés et la déception palpable. Si Gilles Siméon y serre la main d'Emmanuel Macron, Jean-Guy Talamoni, lui, garde les bras derrière le dos. Mais travaillons sur cette voie. Ouais. En tout cas, moi, l'équipe, elle est disponible dès demain. Bon retour. Gilles Siméon y dresse rapidement les points positifs qu'il a relevés dans le discours. Mais pour les deux présidents nationalistes, l'essentiel n'est pas là. Ils profitent de ce dernier échange pour revenir à la charge sur les évolutions institutionnelles et le rapprochement des prisonniers. C'est pour ça que je vais faire venir. Sur les points politiques, vous savez qu'on peut continuer à avoir des points de désaccord. Bien sûr. Important. Donc on va voir comment on règle ça. Je le sais. Merci, M. le Président. C'est ce que j'ai dit, de manière dans les faits. Précise, exactement. Quelques mots de plus et le président de la République tourne le dos. En tout, la séquence aura duré 2 minutes. Dans la foulée, Xavier Loujani, conseiller exécutif en charge de la langue, interpelle à son tour Emmanuel Macron. Il lui demande de ne pas laisser la langue corse dans le ghetto éducatif. Rendez-vous dans ça. Vous savez, moi j'avais des arrière-grands-parents qui étaient bigourdants. Ils ne parlaient que le pyrénéen. Leur seul objectif dans la vie, c'était que ma grand-mère aille à l'école de la République pour apprendre le français. Pensez-y. On peut faire bégayer l'histoire parfois. Je sais pas si on a les mêmes convictions. Mon père parle très peu français. Pour autant, je suis dans l'éducation nationale. Voilà. Et c'est pas un ghetto, donc l'école. J'ai 40 ans d'enseignement et 40 ans d'enseignement du Corse. Je pense qu'à un moment donné, le Corse doit sortir de l'école. Il doit réunir la société. Faites-en une langue officielle. Mais Xavier Loujani ne le convaincra pas. L'histoire de la nation française... C'est vous qui fermez la porte. Non, ah ben, sur ce sujet-là, peut-être, oui, si vous voulez. Jamais fermez la porte. Ouvrez les fenêtres. C'est important. Je l'ai ouverte. La langue, c'est l'avenir. Mais si ouvrir une fenêtre, c'est d'accord avec vous, on finit enfermé. Mais dans votre toilette, à vous. Non. Ah, mais je vous dis, on est en désaccord là-dessus. Ah ben, tant pis, on va continuer. On va continuer à discuter. Ce qui est important, c'est bonne chance, alors. Moi aussi. Continuer à travailler et à se battre pour leurs revendications, c'est le message solennel que les élus de la majorité territoriale feront passer une heure plus tard, après s'être concertés. Je me passerai un fauteuil.